Bonne vidéo! N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner! What's up gamer? Ici Nathaniel Thériault de la chaîne Nathaniel Thériault. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Donc sur PS4. Faut que je le mentionne parce que on sait jamais. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Donc c'est pour ça que je me rattrape sur du Black Ops 3. Donc, pardon. Donc, je vais juste placer mon micro. Ce sera pas long. Hop. Voilà, le micro est placé. Hop. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, j'ai une classe CUDA. CUDA avec un lance-roquette. Donc, j'aime bien mes deux classes, ben ma classe. Je joue toujours avec. Donc, je suis pas un camper. Ni un cheater, j'ai pas de manette truquée. C'est un gameplay fait en live avec vous. Il n'y a pas de j'ai pris un gameplay sur YouTube. YouTube, pardon, pour YouTube. Il y avait. Oh, comment je l'ai pas touché? Une chance que je m'en silencieux. Hop! Aucun trucage. Je suis mort aucune fois à date. Plus de balles, pas de bol. Ah, c'est pas de bol, j'ai plus de balles. Ah ah, voilà. Fallait bien que je meure pour avoir d'autres balles. Donc j'espère que vous entendez pas trop mes joysticks et mes boutons. Parce que le son du micro est très très fort. Parce que mon père m'a expliqué, car oui, mon père m'a aidé beaucoup pour ce qui s'appelle micro. Je n'étais pas sûr, il m'a aidé, donc je le remercie de sa part. Il m'a expliqué le micro, comment il fonctionnait, comment, dans le fond, comment on l'entendait, les paramètres qu'il fallait régler, donc merci papa. Hein? Petite dédicace à toi si tu regardes. Ouais, mais ça m'étonnerait parce que. Oh non! J'avais mon arc. C'est trop plate. Je vais vous apprendre une tactique assez drôle. On fait ça. Oh, oh, oh. Attendez. Ouais, on va le gagner. Je vais juste faire quelque chose, les amis, ce sera pas long. Pardon, fallait que je range mes joysticks. Fallait que je les nettoie. J'ai déjà eu mon drone, j'ai déjà été dans le top 3 de la partie, c'est-à-dire le cercle des vainqueurs, comme ils s'appellent. Mais bon, pour moi c'est le top 3. Ah yeah, on a gagné.
Cette partie a été drôlement rapide. Bon, allez les amis. Je fais une ellipse et on en refait une parce que j'ai pas plus que 15 minutes. Donc, je vais support poser les deux vidéos après. Voilà, j'ai fait une petite ellipse. Le temps de réarranger pour être sûr de ne pas dépasser la limite de temps. Comme ça, je peux vous faire un deuxième gameplay commenté avec vous. Donc, c'est très amusant. Donc, en ce moment, je suis dans ma chambre. C'est assez drôle, en fait, parce que... En tout cas, je suis placé dans mon lit en train de faire ma petite vidéo. Au calme. Au calme. Vas-y, je suis tout seul. Non, je blague. Donc, mon personnage est niveau 6. Ça fait à peu près 30 minutes que j'ai commencé à jouer à ce jeu. Pardonnez-moi, 30 minutes, une heure à peu près. Donc, je connais quelques maps, mais pas beaucoup. Non. Allez, vas-y, aléatoire. Aléatoire. Oh non, je la connais pas. Allez, pourquoi je la connais pas? C'est pas juste. Eh, tout le monde est en mute. Ouais, tout le monde est mute. Mute. Boing. Je m'amuse à sauter dans mon lit en attendant la partie. Ben, je saute pas, je suis plus assis. Puis j'attends. Boing. Ah oui, je la connais. J'ai fait quelques cartes. J'attends grandement le 26 janvier pour débloquer Nuketown. Parce que s'il se trouve que j'avais acheté un jeu, un boîtier de Call of Duty qui est dedans. Et dessus, c'est écrit Nuketown Bonus Map Include. Mais malheureusement, je n'avais pas le code d'activation à l'intérieur. Donc, je ne savais pas quoi faire. Alors, je me suis renseigné sur Internet et j'ai entendu dire que le 26 janvier, Sony et PlayStation envisageaient de... Ubisoft, pardon, je crois. Mais en tout cas, ils envisageaient de mettre la map Nuketown en téléchargement gratuit sur le Play Store. Donc, je vais juste arranger un de mes fils, pardon. C'est pas de ma faute. Donc, voilà. Hop. Donc... J'espère ne pas avoir de... J'espère faire une assez belle partie. Oh. Après cette partie, c'est tout. Même si j'ai fait une ellipse. Deux parties de Call of Duty, ça devrait être assez pour une vidéo. Ben, enfin, je crois. Je sais pas combien les youtubeurs connus de... Call of Duty en font du style genre Wartek, je sais pas moi, Jojo, je sais pas combien de temps ils font, comme Squeezie dans le temps, je sais pas combien de parties ils font, mais bon, moi ça va être ça. Oh, un petit peu de parcours, je me suis pratiqué au freerun en français c'est le champ libre. Ici, il y a souvent des gens. Je suis pas vraiment un campeur. Moi, je vous l'ai dit tantôt, mais... Je le redis parce qu'on sait jamais. Il y en a qui pourraient nous traiter de campeur. Genre, il m'a pas vu. Mais c'est normal, j'ai un silencieux. Fait qu'ils savent pas d'où je viens. Mais ils se prennent même pas la peine d'essayer de me tirer dessus. J'aime bien ce système d'aller dans l'eau. Ce que je trouve un peu mal fait, c'est le fait que tu peux se tirer dans l'eau. C'est stylé et tout, sauf qu'ils devraient avoir fait des trucs spéciaux pour quand tu vas dans l'eau, tu sais, genre une animation, que tu changes le fusil, tu sais, ou quelque chose comme ça. Parce que là, c'est un petit peu plat. Parce que là, normalement, les fusils, ça tire pas dans l'eau. Mais il y en a des spéciales que oui.
se tirent des vraies balles et tout, mais elles sont spéciales et ont été fabriquées spécialement pour une utilisation sous l'eau, à moins que je me trompe et que... À moins que je me trompe, dans le fond. Ah! Je l'avais! Mais bon, on peut pas gagner toutes les batailles, mais on peut gagner la guerre. Mais pas toutes les guerres, même s'il n'y a pas souvent plusieurs guerres. Allez. Oh, il m'a eu. Il m'a eu. Souvent, ils sont deux contre moi et ça, c'est pas gérable. Hop, voilà. Une chance, j'ai fait ce trou tout à l'heure. Allez. Je peux vous dire que ça fait mal. Allez. Je campe un peu quand j'ai mon arc parce que je ne peux pas le perdre. Je vais au moins être capable de faire un kill avec sans le perdre. Donc ça n'a pas servi à rien que je tire ma flèche. Donc les flèches font des... Donc il est mort. Je l'ai juste vu faire son. J'ai vraiment eu peur. Bon, au moins j'ai tué une personne avec. Ouais, une personne, c'est bien. Si vous voulez m'ajouter pour faire... Si vous aimeriez faire une vidéo et que vous avez Call of Duty Black Ops 3 chez vous, et que vous aimeriez faire une vidéo avec moi, je sais, je me redis beaucoup, ben, vous n'avez qu'à m'ajouter en écrivant comme message d'ajout « Bonjour, bonjour Nathaniel, c'est moi, j'aimerais participer à une de tes vidéos. » Vous m'écrivez sur Call of Duty Black Ops 3 et on en fera une. Je le ferai avec toutes les personnes qui m'écriveront parce que je peux me le permettre. Nous sommes que 27 sur la chaîne. Donc voilà. Donc je peux me le permettre. Mais c'est qui m'exclut de 27 abonnés. Je ne le ferai pas toujours. Ce sera très rare que je le ferai. Si vous avez Dying Light aussi sur PS4, prévenez-moi, nous pourrions faire un épisode Dying Light aussi ensemble. Si cela vous tente. Si cela vous intéresse. Mais voilà, vous n'avez qu'à m'écrire cela. Si vous me l'écrivez, je pourrais le voir. Vous pourriez passer sur YouTube. Vous pourriez vous vanter à vos amis. J'aime beaucoup le freerun, c'est un de mes ajouts préférés. Ah! Ça, je déteste les gens comme ça qui glitchent avec le pouvoir. Fuck it! Que la personne m'attend ici. Elle va m'attendre en quelque part, je le sais. Car elle sait que je... Ah, je savais. Ah, je déteste. Mais je pense pas vraiment qu'elle m'attendait. Ah. Donc, voilà, la partie est finie. Et j'ai... Un ratio d'un 1,21, c'est pas pire, c'est vraiment pas si pire. Oh, coup de crosse. Mais bon. Voilà, c'est cela le cercle des vainqueurs. Pour moi, c'est juste le top 3.
Et donc voilà les amis, on va se laisser là-dessus, c'est tout pour cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé. Ciao!